Bonjour les Vierges, contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales pour ce mois d'octobre. Ceux qui connaissent déjà ma chaîne et qui se sont abonnés, eh bien je vous remercie. Merci pour votre fidélité, merci d'être là à nouveau. Et puis ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur, hein, qui est également votre chaîne puisque sans vous, elle n'existerait pas. Donc j'espère pour tous que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a rien qui résonne en vous, allez voir votre ascendant qui parfois a beaucoup plus d'influence, en tout cas est beaucoup plus parlant, ou alors votre signe lunaire. Et puis, si ça ne vous parle toujours pas, vous aurez peut-être un message par rapport aux guidances hebdomadaires. Bon, j'avoue que pour le mois de novembre, je serai peut-être dans l'impossibilité de les faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reprendra au mois de décembre. Idem pour les messages. Peut-être que, on va dire fin octobre, mois de novembre, je ne pourrai pas y répondre. Mais de toute façon, j'y répondrai, même si c'est avec un peu de retard, j'y répondrai quoi qu'il arrive. Donc, on y va. Alors là, avec ces trois cartes, c'est par rapport, on va dire, c'est un condensé de vos énergies du mois, un petit résumé à travers trois cartes. Donc nous avons le bouquet, nous avons le trèfle, là ça commence bien, hein, franchement, et le cavalier. Donc il y a quelqu'un qui va venir ou qui va vous amener des informations. Ça va être un vrai cadeau pour vous et une vraie chance. Là, c'est clair. Vous avez la chance au milieu en plus. Donc, écoutez, je ne sais pas encore dans quel domaine. Hein, ça peut être aussi bien professionnel, familial, que tout ce qui est relationnel. On va voir avec les dos de deck ce que ça peut nous apporter de plus. Mais déjà là, on commence vraiment bien. Hein. Ça veut dire qu'il y a des énergies positif qui vous accompagnait tout le mois. Je ne sais pas comment ça finira, mais en tout cas, là, on démarre bien. Et on finira bien, hein, parce que vous avez la chance de toute façon. Écoutez, regardez, vous avez le soleil. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, par rapport à cette situation, par rapport au domaine qui vous correspond, il y aura une réussite. Ça va vous apporter, on a l'arbre, on a le livre, on a l'encre et le chemin. Bon, allez, je ne veux pas tricher, on va mettre celle qui paraît un peu moins belle. Donc, on voit bien que là, il va y avoir des chemins à prendre, en tout cas un nouveau chemin à prendre. Vous aurez le choix, vous aurez des opportunités. Il y a des choses qui vous êtes cachées, à moins que ça soit dans le professionnel qui nécessite une formation. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien de précis. Donc peut-être une formation si c'est dans le domaine professionnel, mais ça peut correspondre à quelque chose de caché. Je pencherai plus pour ça parce qu'on voit que là, il va y avoir dans ce courant du mois d'octobre des choses lourdes à porter. Ça va être difficile, ça va être lourd. Vous allez traîner un fardeau quand même. Mais on voit que, écoutez, on voit qu'il y a un cadeau, on voit qu'il y a de la chance et on voit qu'une personne arrive vers vous. Je pense que vous allez trouver les informations nécessaires, celles qui étaient cachées, pour avancer, pour vous aider à trouver le bon chemin. Ça sera le bon chemin puisque vous avez le soleil. Alors, ça va vous, peut-être par rapport à cette carte, ça va peut-être vous peser tellement que ça va avoir un impact sur votre santé, physique ou psychologique. Quand je dis physique, parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui somatisait. Donc ça va avoir problème de peau, des choses comme ça. C'est possible. Ou alors cette situation, une fois qu'elle sera résolue, puisqu'on voit bien qu'elle va être résolue de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez retrouver un certain ancrage. En tout cas, ça va être une réussite possible dans quelque chose de pérenne à travers cet ancrage. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'ancre. Hein. Donc, on voit que c'est quelque chose de pérenne que vous allez obtenir, de pérenne, de durable, qui va vous permettre de vous ancrer dans votre vie. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, mais il y a une notion d'ancrage, de pérennité, de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, bon, mais ça va être
Ça va être difficile à porter. Ça va être. Voilà. Alors, est-ce que ça va être tout le courant du mois? Est-ce que ça va être en début de mois? Voilà. On va voir. Hein. De toute façon, avec ces trois cartes, on va voir votre état d'esprit ou l'état actuel des choses. Donc, on a les oiseaux, la clé, les souris. Donc, pour moi, on voit bien que là, le livre va s'ouvrir. Hein. Je pense que c'est grâce à cette personne. Vous allez avoir des informations, on va vous amener des informations, alors en vis-à-vis, hein, ou alors à travers les conversations téléphoniques par exemple. Donc là, cette personne va vous ouvrir certaines connaissances, vont vous amener certaines connaissances, soit pour vous aider, va vous aider à trouver la solution, puisqu'il y a une notion de solution quand même, puisqu'il y a la clé, il y a quand même quelque chose de difficile à porter, donc à dépasser. Donc cette personne va soit vous amener les informations, soit va vous donner des informations sur quelqu'un qui vous cause ce problème-là. On voit bien qu'il y a des soucis, ça vous cause du souci, mais ça vous ronge. Hein, c'est plus que des petits nuages, là, ça vous ronge. Ça vous prend la tête. Alors, est-ce que c'est par rapport à ces conversations téléphoniques ou est-ce que c'est grâce à ces conversations téléphoniques que vous allez avoir la solution, vous allez avoir les clés pour prendre le bon chemin? Donc, on va voir dans le dos de deck. On a le vaisseau. J'essaie de les pousser un peu plus, il y a de la place. Donc on a le vaisseau, on a le bouquet, hein, le bouquet qu'on voyait ici. Hein, donc c'est un véritable cadeau. On a le lys, on a le chien, on a la femme. Donc là, soit c'est vous la consultante, soit cette femme, c'est l'amie, ou la personne qui vous cause du souci. Je ne pense pas que ce soit une personne, au vu des cartes pour l'instant. Je ne pense pas que ces soucis soient une personne. Là, pour moi, cette personne qui vient vers vous, qui est un véritable coup de chance et ça va être un cadeau pour vous, c'est cette femme. Cette femme qui est une amie, qui va intervenir. On le voit bien, hein, voilà, c'est un cadeau. Elle. Bon, alors, je ne pense pas pour le coup qu'elle arrive avec un bouquet de fleurs. Mais elle va vous apporter un cadeau à travers des informations, je pense, soit des informations qui a un rapport avec le juridique, des éclaircissements, soit qui va vous apporter des solutions pour que votre situation soit plus juste, soit parce que vous le méritez. Il y a une notion de justice par rapport à la carte du lys. Est-ce qu'il va y avoir des démarches, est-ce que ça va justifier, que ça va nécessiter des démarches juridiques? Pour l'instant, je ne le ressens pas comme ça. En tout cas, il y aura des déplacements nécessaires. Donc, on va voir. On va voir par rapport à l'évolution de tout ça. On a encore la clé. On a encore la croix, mais ce qui est normal puisque ça faisait partie du résumé de vos énergies du mois. Donc, on le voit bien, hein. La croix et le bateau. Donc on voit qu'effectivement, par rapport à cette situation qui vous pèse, qui est vraiment pesante, vous avez une solution, vous avez la clé, donc des solutions. Ça va se faire à travers des déplacements. En tout cas, ça va nécessiter des déplacements. On le voit bien, hein, là, vous avez les déplacements et ça va continuer dans l'évolution de votre mois. Donc, pratiquement au début de votre mois et en milieu de mois, ça va, en tout cas dans l'évolution, il y aura toujours des déplacements. Donc, il va y avoir pour moi de nombreux déplacements par rapport à quelque chose qui vous ronge et qui vous pèse énormément. Donc, on va voir dans les dos de deck. On a un homme, on a l'encre, on a le livre, on a le trèfle et on a les enfants. Et allez, je ressors le bouquet puisqu'on voit bien que c'était là. Donc on voit bien que le bouquet, hein, c'était là. Ça va être un véritable cadeau pour vous dans votre moi. Hein. C'était dans vos énergies
dans le résumé de vos énergies. Et on le voit bien là. Donc cette amie, je pense que ça va être une amie, femme ou homme, hein, bon, voilà. Mais bon, on a quand même la carte de la femme juste à côté. Donc une amie, hein, ça va être un cadeau et on le voit là, hein, ça ressort encore. Ça ressort dans cette carte-là. Donc effectivement, ça va être une véritable, ça va être un coup de chance. Hein, vous l'avez dans vos énergies, dans le résumé de vos énergies. Et on le voit bien là dans l'évolution que ça va arriver, ça va être un coup de chance. Ça va arriver rapidement dans votre moi, je pense. Hein, parce qu'il y a une notion quand même avec le cavalier de quelqu'un qui vient rapidement. Cet ami va venir rapidement vous aider, vous donner les informations nécessaires. On voit bien qu'il y a à nouveau le livre et vous avez là la clé en dessous. Donc, elle va vous donner les informations nécessaires. La clé, la solution pour essayer d'avancer et de retrouver cette stabilité hein, qui vous manquait. On le voit là dans le résumé des énergies, hein, la stabilité, vous allez la retrouver. Cette stabilité qui va vous permettre de vous ancrer. Pour moi, là, pour le coup, cette situation qui vous ronge, qui est difficile, est en rapport avec un homme. Voilà. Hein, vous l'avez au-dessus là pour le coup. Moi, c'est par rapport à un homme. Bon, ça va être un coup de chance. Là, dans l'évolution, vous allez retrouver de la légèreté. De la légèreté. Ça va vous permettre de moins vous prendre la tête, d'être moins dans la rumination, dans le fait que ça tourne en boucle dans votre cerveau. Vous allez lâcher un peu tout ça. Parce que là, vous y voyez plus clair, il y a une évolution vraiment positive. En tout cas, là, vous avez tous les éléments et ça va vous soulager. Mentalement, vous allez retrouver vraiment une légèreté, un soulagement. Excusez-moi. Donc, on va voir dans la finalité de ce mois, par rapport à cette situation, bien entendu, vous savez de quoi il s'agit, hein, vous qui regardez la vidéo. Alors, on a les montagnes, on a le cercueil et on a les nuages. Je crois que je vais aller regarder directement dans les dos de deck, hein, parce que ça me donnera plus d'infos. La verge, le livre et l'homme. Et la lune. Je vais la mettre là pour que vous voyez mieux. Bon, j'ai les conversations téléphoniques, hein, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon. Donc, on voit bien là, vous avez des coups de chance, vous avez des infos qui vous arrivent, les infos dont vous avez besoin pour avancer qui vous arrivent rapidement. Ça va être un véritable cadeau, ça va venir d'une amie. Vous avez des coups de chance qui vous arrivent et vous avez la réussite. Donc, ne la perdez pas de vue, hein. Vous avez une belle réussite qui vous attend par rapport à tout ça. Mais moi, en fin de mois, je vois encore des difficultés. Donc, ça va être long. Vous avez toutes les clés en main. Vous savez, parce qu'il y a, et vous allez retrouver un certain soulagement mental. Et il y a vraiment de la chance qui vous accompagne. Donc, cette réussite, vous l'aurez, puisque de toute façon, là, on le voit bien avec la carte de la lune. Hein, c'est la carte de la réussite. Bon, c'est aussi l'intuition qui va vous accompagner, mais bon, en même temps, là, l'intuition, vous n'avez presque plus besoin. Vous avez tous les éléments en main, toutes les informations. On voit bien que ce livre-là, ce qui était caché, s'ouvre. Là, le livre est ouvert, hein. Donc là, vous voyez clairement par rapport à cette personne qui vous causait du souci, vous allez avoir de fortes engueulades avec cette personne. C'est un homme, comme je vous l'avais dit là, hein, de toute façon, hein, avec par rapport à. Vous aviez l'homme et la croix. Donc voilà, ça confirme bien que c'est par rapport à un homme. Vous allez avoir des informations par rapport à votre situation. Pourquoi des difficultés? Pourquoi c'était si lourd à porter? Ça va s'éclaircir. C'est par rapport à un homme. Vous allez avoir de fortes discussions avec cette personne. Vous allez vous fâcher fortement avec cette personne. Ça va par rapport à ce blocage hein, qui est toujours là, hein, qui est toujours là, mais on voit que c'est en très très bonne voie puisque vous avez quand même la carte de la réussite avec la lune. L'intuition et la réussite, donc l'intuition qui va vous accompagner avec les solutions. Voilà, donc de toute façon, on voit que là, pour le coup,
en énergie très très lourde, ça va se transformer en nuage. Donc là, ça va s'éclaircir. Et on voit bien que de toute façon, là, c'est passager. Les nuages sont toujours passagers. On voit que là, ça s'éclaircit. Il va y avoir une transformation, soit de vous, soit pour le coup de la situation. Là, en fin de mois, elle va se transformer. Ça va être encore difficile en fin de mois, mais il y a une transformation de vous-même et de la situation, et ça va vous apporter la réussite, hein. De toute façon, elle était en énergie. Dans le résumé de vos énergies, hein, de ce mois. Donc voilà, ça va être difficile jusqu'en fin de mois, hein, mais ça va s'éclaircir et vous allez toucher du bout des doigts la fin de tout ça et la réussite de toute façon de ce que vous vouliez. Et ça va vous amener à une situation stable et pérenne. Vous allez prendre le bon chemin pour cela, en tout cas. Donc on va regarder la carte conseil, carrefour. Choisissez le bon chemin. Il y avait une notion de chemin ici, hein, dans le résumé des énergies. De toute façon, effectivement, il y a un chemin à prendre. Donc prenez-le, n'hésitez pas. Pour le coup, là, vous avez tous les éléments pour ne pas hésiter. Là, vous avez plusieurs chemins, mais vous êtes dans l'hésitation sur cette carte. Mais le conseil, c'est ne pas hésiter. Là, vous pouvez foncer. Pour gravir cette montagne et vous transformer ou transformer la situation en positif. Voilà, hein, vous avez le soleil qui va vous accompagner et vous avez la réussite. Donc n'hésitez pas, allez-y, prenez le chemin, écoutez votre intuition, c'est la carte de l'intuition. Donc écoutez-la et prenez le chemin qui vous semble le plus juste et vous allez avancer vers une réussite. Voilà, mes petites vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite cette réussite. Je souhaite que ce mois soit pas trop dur quand même. Et je vous dis à très bientôt.